Good morning, Aleiden. Les tutors aujourd'hui, le lundi mat, Amram, Yona, Ben Chana, Peggy, Bat, Esther, Zara, Bat, Mazal, Tov, Shiporti, Simon, Batloni, Michael, Novikov. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Periktet, Mishnah. Hey! Mi, Shelaka, Veshana, Bet, Din, Machnisi, Noto, Lakipa, Omachani, Noto, Seorin, Ad, Shekreso, Mitbakaat. Aoreg, Nefesh, Shelo, Beedim. Machnisi, Noto, Lakipa, Omachani, Noto, Lechem, Tsar, Omaim, Lachts. Dans notre Mishnah, on va parler d'un sujet qu'on a déjà évoqué quelques fois. La fameuse kippa, que j'avais traduit par dôme, coupelle. En fait, c'est marqué nulle part. Là, ici, je ne l'ai pas vu en tout cas. Concrètement, c'est une petite cellule minuscule où on va se soucier qu'une personne qui a transgressé des graves interdits, mais qu'on ne peut pas condamner à mort pour X ou Y raison, on va se soucier quand même de le supprimer sans bavure. On va se débrouiller pour qu'il meure de lui-même. Nous, on ne va pas le tuer par nos mains. Mais on va se débrouiller de le mettre en situation dans cette petite cellule qu'il meurt de lui-même, comme on va le voir dans quelques secondes, minutes. Et on va avoir deux cas de transgression où l'on va condamner une personne à cette fameuse cellule dans laquelle on va laisser mourir. En l'occurrence, Mi Shelaka Veshana, littéralement, celui qui a été frappé puis a récidivé. Bet din machnisin oto la kippa. Le bet din se souciera de le faire entrer dans la kippa, dans cette petite cellule. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Oma'achilin oto se'orin. Et on va le nourrir d'orge. Ad shekreso mitbaka'at. Jusqu'à ce que son ventre, son estomac, je ne sais pas, que ce soit, ça peut inclure les deux traductions, plutôt l'estomac, mais je pense que là on fait plus allusion au ventre, je ne sais pas. Jusqu'à ce que son ventre se fende. Explose. Et je continue tout de suite parce qu'on va avoir un deuxième élément dans la Mishnah et puis après on fera une étude plus organisée. Haoreg nefesh shelo beedim. Idem pour celui qui tue une personne sans témoin. Alors qu'est-ce qu'on lui fera? On avait appris qu'on ne pouvait pas le condamner à mort. Mais malgré tout, machnisin oto la kippa, on va quand même le faire entrer dans cette cellule. Omachelin oto lechem tsar. Et on va lui donner à manger un tout petit peu de pain, ou maïm lachatz, et de l'eau limitée, pas beaucoup d'eau. Soit, d'abord, on va mieux définir c'est quoi la kippa. On a deux éléments dans la Mishnah. La première partie de la Mishnah nous a dit qu'on le fait rentrer dans la cellule, on donne à manger de l'orge, et par ça, son ventre va exploser. Deuxième partie de la Mishnah nous enseignait qu'une autre kippa, apparemment, on le fait rentrer dans la cellule et on lui donne à manger un tout petit peu, un petit peu de pain et un petit peu d'eau. Et après quoi? Donc il va mourir de faim apparemment. En réalité, la Gemara dit que non, c'est fréquent dans le Mishnayot. On n'a pas tout dit la première fois, on ne dit pas tout pour la deuxième fois. Comme ça, ensuite, tu prends les deux éléments, tu les recolles ensemble. Et en réalité, on va le mettre dans cette kippa. On va d'abord, dans un premier temps, lui donner à manger à petite dose, un tout petit peu. Comme ça, il va mourir, il va avoir très faim. Et après, on va lui donner à manger plein d'orge. Et alors là, son ventre va gonfler et il va exploser de cette manière. D'accord? Maintenant, pour quel type de transgression est-il condamné à cette cellule atroce? L'avantage d'abord, c'est que nous, on ne va pas le tuer de nos propres mains. Il a transgressé une grave avéra, comme la Mishnah vient de le préciser, mais on ne va pas nous le tuer de nos propres mains, on va plutôt faire en sorte que lui va mourir. C'est une mort indirecte. En réalité, on va se soucier de le supprimer sans bavure. D'accord? Maintenant, sans salir les mains, c'est ça le principe. D'accord? On ne va pas tuer activement quelqu'un, on va faire en sorte qu'il va mourir. Soit deux sortes de transgressions. Première partie de la Mishnah, on avait vu qu'il a marqué Mishelaka Veshana, celui qui a été frappé deux fois. D'abord, toute personne qui transgresse un interdit de la Torah, pour la plupart des interdits de la Torah, on apprend que l'on est Chayav Malkout. On est Chayav 39 coups sur une transgression. À plusieurs conditions, il faut qu'il y ait quand même un acte. Ouais, le cas type de la Torah qui est évoqué, c'est le cas de l'Av de Chassima, celui qui muselle un taureau pendant qu'il est en train de battre le blé, d'écraser le blé, ouais, pour séparer le grain d'ash, pour séparer le grain de blé de son écorce, il faut faire marcher un taureau là-bas qui va écraser. Et la Torah l'interdit, lotarsom shor bedisho, tu ne muselleras pas un taureau pendant qu'il écrase le blé. Et de là-bas, on apprend qu'il faut qu'il y ait un lave chez Yeshboma, c'est d'accord, un lave qui ait un acte actif dedans. C'est donc pour toute transgression d'un lave, on est chayav malkout. Il y a toutefois des interdits où on est chayav malkout qui sont encore plus graves.
ce sont des interdits où il y a même aussi un chiouv karet, un chiouv de retranchement par le ciel. D'accord ? C'est dans certains cas de figure, par exemple, celui qui va avec une femme nida, pendant qu'elle a ses règles, ouais, ou qui ne s'est pas trompé au mikvé, après ses règles, c'est la même chose, alors il y a un interdit de la Torah qui est un chiouv, ce qu'il a, chiouv karet, soit il est chayav malkout, le badin va le condamner uniquement à être frappé les 39 coups, mais par rapport au ciel, il a un interdit de karet. Le ciel va se soucier de le faire mourir jusqu'à l'âge de 50 ans. Il pourra malgré tout faire tchouva. C'est un peu différent. C'est pas comme une condamnation du Bet Din, c'est une condamnation par le ciel. Malgré tout, la Mishnah nous enseigne que celui qui transgresse une avera, un interdit sur lequel il y a un chiouv karet, une condamnation au retranchement par le ciel, alors, si là on l'a frappé une première fois parce qu'il est passé avec une femme nida, et une deuxième fois parce qu'il est repassé avec une femme nida, si on l'attrape une troisième fois avec des témoins, cette fois-ci, on va lui dire, toi, c'est fini, il a transgressé. Il a récidivé deux fois, et maintenant il est revenu pour la troisième fois avec un interdit lav, shesh bo chiouv karet, un interdit où il y a dedans une condamnation au retranchement, alors on va le mettre dans la kippa, dans la fameuse cellule, et là-bas, on va lui faire le procédé de lui donner à petite dose à manger, et puis après, on va lui donner l'orge pour qu'il meure de lui-même. D'accord ? On fait à présent la suite de la Mishnah. Donc, on a fait Bedin Machlisin Oto la Kippa, ou Machlisin Oto, c'est Orim, Hachikoso, Minbakat. Haoreg Nefesh Shelo Benedim. Autre cas de figure. Celui qui tue sans témoin. Littéralement, soit il n'y a pas de témoin qui l'ont vu tuer. Alors aussi, on le condamnera à la fameuse Kippa, cette cellule, et on le fera mourir de la sorte. On a un problème technique. S'il a tué sans témoin, qui a dit qu'il l'a tué ? Pourquoi est-ce qu'on va plus croire une personne qui n'est pas un bon témoin ? Alors en réalité, la Gemara explique. On avait déjà évoqué le cas avec la fameuse Mishnah de Ben Zakkai plus haut, où pour pouvoir prononcer la condamnation à mort du Bet Din, alors il y a des conditions draconiennes. Et on va là-bas lui poser des tas de questions dans tous les détails, ce qu'on appelle des bdikotes. À part le fait que on lui a demandé de bien voir l'action, on va lui poser des questions parfois énormes, telles que le figuier qui était à côté, il avait là-bas des queues qui étaient... les queues des figues étaient épaisses, étaient fines. Et si toutefois il y a une contradiction sur un petit détail comme ça entre les témoins, alors c'est fini. On ne va plus pouvoir le condamner. Non pas parce qu'on soupçonne les témoins de mentir, mais parce que malgré tout, leur témoignage n'était pas assez clair. Il y a eu un problème. Ça manquait ici de clarté. Donc de ce fait, on ne va plus prononcer la sentence du Bet Din. Mais malgré tout, cette personne-là, c'est sûr, c'est un meurtrier. Il y a deux témoins, Kshérim, qui l'ont vu, qui l'a tué. On va quand même le condamner à la fameuse Kippa. D'accord ? Ça, c'est la Mishnah qui l'enseigne. Maintenant, autre détail qui est rapporté cette fois-ci dans le Tosot Yom Tov, qui nous dit que c'est uniquement pour les Averot, pour le fait de tuer, que l'on est Chayav à la Kippa. Par contre, pour toutes les autres Averot, si par exemple quelqu'un a transgressé le Shabbat Bémézid, et on l'a averti, mais que les témoins n'ont pas réussi à le condamner à mort, eh bien, on ne va pas le faire entrer dans cette kippa. C'est que dans les averot, qui sont, où il y a un chiouv mita, où il y a une condamnation à mort, et qui sont ben adam la chavero, entre un homme et son prochain, comme le fait de tuer, par exemple, et c'est la seule, d'ailleurs, que le Barthénora rapporte, alors, ce sera la seule avera sur laquelle on le fera entrer dans la kippa. D'accord ? Par contre, un homme qui irait même avec une femme mariée, par exemple, je ne sais pas si c'était un viol, je ne sais pas quelle est la lacha, j'ai une question sur la question, en l'occurrence. Mais en tout cas, si c'était avec son consentement, il n'y a pas ici de avera de Ben Adam la Chavero, c'est que Ben Adam la Makom, entre un homme et Hachem. Mais c'est pas Ben Adam, il n'a pas dérangé personne sur Terre. Concrètement, il n'a pas pourri la vie de quelqu'un. Il a pourri le monde futur de quelqu'un, mais en tout cas pas la vie sur Terre. Pas comme un Rotser qui a tué. De ce fait, il n'y aura pas de Chiyuv qui part. Je me suis posé une question que je n'ai pas vue qui a été traitée. C'est sûrement développé quelque part, quelqu'un qui violerait une femme mariée, qui sera, et qu'on n'a pas réussi à condamner à mort, étant donné que cette fois-ci, il y a quand même eu du Ben Adam la Chavero, puisqu'il a porté atteinte à une femme, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu écrit. Il y a lieu de discuter sur la question. D'accord ? On a à présent fini la Mishnah, on fait le Barthénora. Mi Shelaka Veshana, celui qui a été frappé et qui a récidivé. Shelaka Shnei Pe'amim, qui a été frappé deux fois, à la vera Shechaveve Malea Karet, sur une même faute sur laquelle on est Chayav Karet. Par exemple, il a mangé du Chelev, il a mangé des graisses interdites.
les gens ont très peur de manger du cochon, alors que le cochon, c'est qu'un issour lave. C'est un interdit uniquement, un interdit sur lequel on est frappé, mais il n'y a pas de chriouf karet. À la différence du issour chélève, les graisses interdites, sur ça il y a un chriouf karet. Ou à la différence encore du sang, c'est plus compliqué, parce qu'il faut manger du sang qui est cru, qui n'a pas été cuit. Mais en tout cas, celui qui boirait du sang d'animal, il y aurait aussi un chriouf karet sur ça. Alors que, d'accord ? Voilà, j'ai donné des exemples de chriouf karet. Il y a une maserhet kritout. Maserhet kritout qui commence en évoquant 32 cas de chriouf karet dans la Torah, si je ne me trompe pas, 32, ouais, il me semble. Donc en tout cas, shelaka beshana, il a. Le Bartonois nous disait, à la drache chayav malé karet, sur une faute sur laquelle on est chayav karet, de retranchement, chez kol chayav kritout, lokim, car pour tous les interdits de chriouf karet, de retranchement, sur la Torah, elle a dit karet. Karet et karet, aïchaou, il y a plusieurs cas, ça va rapporter dans la Torah. Lorsqu'il recommencera une troisième fois cette avera, alors on ne le frappera plus, mais on le mettra dans la kippa. Machnissin oto la kippa. On le fait entrer dans la petite cellule. Makom, c'est un lieu. Keshiur komat adam veloyoter. Qui fait exactement la taille d'un homme et pas plus. Il va se sentir là-bas étouffé, il va se retrouver dans une situation atroce comme ça. On va d'abord commencer par lui faire manger un tout petit peu de pain pendant quelques jours et boire de l'eau omaim lachas, une petite quantité d'eau. Ad sheyuktenu bnei me'av, suffisamment pour que ses entrailles vont se retrécir. Bien sûr, comme vous le savez tous, ceux qui ont fait des régimes dans leur vie, à force de s'habituer à manger peu, on a l'estomac qui se réduit. D'accord ? Jusqu'à qu'à la fin, on est capable de moins manger et on reste faim. Ça, c'est pour ceux qui font du régime. Et concrètement, selon le même principe, on va d'abord lui rétrécir son estomac et ses entrailles, jusqu'à en lui donnant un tout petit peu à manger, jusqu'à qu'il va s'habituer. Et puis alors là, Véhadar, et ensuite on revient dessus, Mahalinoto Seorin, on l'empiffre de Seorim, d'orge, chez nos frottes Bemehav, qui font gonfler les entrailles, Hachekreso Nifkaat, jusqu'à ce que son ventre se fende, explose. Et ensuite, c'était l'histoire avec celui qui a tué Shelo Be'edim, sans témoin. Soit Shelo Be'edim, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun témoin, mais Shelo Be'edut Sheyemechuyav Aleamita, qu'il n'avait pas de témoignage suffisant pour les faire condamner à la condamnation à mort, la sentence du Bet Din. Mais par contre, Mikol Makom Yadoua la Bet Din Shadavarmet. Cependant, le Bedin sait pertinemment que c'est vrai qu'il a tué, par exemple, chez Bevadayak, qu'il a certainement tué. Et là, chez Ukrejou, à Edim Bibdikot. Mais le problème, c'est qu'on a eu, à l'intérieur des questions du long questionnaire de l'interrogatoire des témoins, finalement, il y a une petite contradiction sur un détail. Donc, c'était une akracha Bibdikot, une contradiction dans les Bibdikot, dans l'interrogatoire. Oh, chez Loaitacha Matra Mesapeket, ou encore qu'ils l'ont averti, mais pas suffisamment. Ils l'ont averti que c'était grave, mais ils n'ont pas dit toutes les conditions qu'il fallait pour l'Atra. Alors, dans ce cas-là, on ne pourra plus lui prononcer la sentence du Beddin, mais on lui fera quand même manger un peu de pain, une petite dose de pain et un petit peu d'eau pendant quelques jours, Trila pendant quelques jours. Varadach Machelin Oto, c'est horrible. Ouais, le Bartonora nous complète. En haut, la Mishnah a donné deux moitiés d'éléments. Donc, dans la première partie de la Mishnah, le Bartanoir a fait rentrer la suite. Et maintenant, dans la deuxième partie de la Mishnah, le Bartanoir a fait rentrer ce qui a été dit plus haut. Soit, on lui fait manger un petit peu de pain et un petit peu d'eau. On fait boire de l'eau à petite mesure. Vachakar, très là au début. Vachakar, machalé noto seorim. Et après, on lui donne à manger l'orge. Achikreso nivkaat. Vainorecha. Jusqu'à ce que son ventre se fende. Comme ce que l'on a dit dans la première partie de la Mishnah. Omaché chasarze galaze. Est-ce que cette première partie de la Mishnah n'a pas dit. Est-ce qu'une partie de la Mishnah n'a pas dit, l'autre partie l'a dit, mais en fait les deux sont complémentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.